la statue de la Dame Blanche en centre-ville, ou encore la Vierge à l'Enfant de l'église Notre-Dame sur le boulevard d'Alsace-Lorraine et son tympan sculpté. Des œuvres nées dans l'esprit de l'artiste palois Ernest Gabart, d'abord conçu dans ses carnets de croquis et transformé en prototype. C'est son fonds d'atelier qui est aujourd'hui vendu aux enchères. Il n'y a pas que les œuvres finies, il y a aussi tous les essais. Et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qu'on trouve dans un fonds d'atelier. D'une manière générale, je pense qu'il va y avoir quand même un socle très important d'acquéreurs qui sont tout simplement des Béarnais, qui sont amoureux du Béarn, de Pau. Quelques pièces recherchées, comme ce projet d'affiche de la traversée des Pyrénées. Peintre, dessinateur, sculpteur, du religieux à l'art déco, Ernest Gabart est aussi le père de Cadetou, caricature du Béarnais de 1900. Ernest Gabart est un touche-à-tout. Au départ, il aurait voulu être peintre. Il adore le dessin, mais sur Pau, il y a déjà du monde. Il y a déjà Joseph Castet, il y a ses fils. Il va se diriger vers la sculpture. En 1907, il crée le personnage de Cadetou. Lui, Cadetou va endosser tous les travers de ses contemporains. Il matine tout avec un petit peu d'humour. Les objets sont encore visibles demain matin. Début de la vente aux enchères à 14h30.